Monseigneur, serait-ce la lame du clan Sakai? Vous êtes connaisseur. Disons que cette lame est célèbre. J'ai entendu parler de son tranchant et de sa beauté, mais je n'aurais jamais pensé la contempler un jour. Je ne me suis pas entraîné sur des tiges de bambou depuis longtemps. Ce serait pour moi un honneur de voir votre lame à l'œuvre. Approchez, monseigneur. L'histoire d'Uchitsune vous attend. Sakai. Des nouvelles de Tomoe? Des voyageurs ont été pris pour cible sur les routes du village d'Iyoshi. Plus personne n'ose en sortir ou le ravitailler. Vous pensez que c'est Tomoe? Quelques archers, s'ils sont bien placés, peuvent isoler toute une ville. Comme vous le faisiez quand vous étiez le maître archer du clan Nagao. Tomoe était une bonne élève. Pour sûr. Nous affrontons votre propre reflet. Et nous tâcherons d'en tirer parti. Comment suggérez-vous que l'on trouve ces archers? Il faut penser comme Tomoe. Nous avons besoin de contrôler l'accès au village d'Iyoshi. Où devons-nous placer nos archers? Le chemin derrière l'auberge. Non. Trop exposé, pauvre en ligne de tir. Elle voudra couvrir un maximum de terrain avec un minimum d'archers. Il serait judicieux de surveiller l'entrée principale du village. Les habitants eux-mêmes évitent l'axe principal. Des archers ici seraient inutiles. Quelques hommes pourraient bloquer la route du littoral. Oui. Je posterai un garde devant le pont menant au village. Moi aussi. La route au sud longe une falaise en surplomb. L'endroit idéal pour une pluie de flèches. Tomoe serait d'accord. Tu as du potentiel. Mettons-nous en chasse. Qu'avez-vous appris d'autre à Tomoe? Je ne lui ai rien caché. Elle sait pourquoi vous avez quitté le clan Nagao? Ce n'est pas un secret. Je devais prendre ma retraite et les sources chaudes me convenaient.
Vous n'auriez jamais pris votre retraite. Vraiment? Alors quelle est ton explication? Mon oncle m'a dit que vous étiez devenu proche d'une roturière, et que le seigneur Nagao a dû vous couvrir. Ton oncle a un sens de l'humour très intéressant. Ce n'est pas ce qui s'est passé? Un samouraï a toujours le choix. Mais regrettez-vous de ne plus être un guerrier? La maîtrise de l'arc et la maîtrise de soi. C'est la seule victoire digne d'un samouraï. Nous approchons. Ouvre l'œil. Plus vite, Sora! Voyageurs innocents, assassinés. Menons leurs assassins sur les rives du fleuve des Trois Chemins. Chiharu, hein? Les samouraïs ont disparu. De Tomoe. Continue. Tous ces innocents morts. Tomoe n'a eu aucun scrupule. Elle a trahi son peuple. Elle l'a trahi car les Mongols lui offrent le pouvoir, l'argent, un rang, tout ce dont sa naissance la prive. Tomoe savait qu'elle méritait mieux que ce que la vie lui offrait. Je te trouve bien indulgent. L'indulgence a du bon, même pour un guerrier. Qui t'a dit cela? Sun Tzu? Mon oncle. Il ne me l'a pas dit, il me l'a montré. La clémence crée une dette. Ton oncle était clément envers ceux qui n'étaient pas une menace. C'est un pari sûr.
accélère, Sora. Un autre nid de serpent à trouver. Viens. Comment Tomoe est-elle devenue votre élève? Elle est venue à mon dojo avec l'arc de chasse qu'avait fabriqué son père et a refusé de partir. Vous ne l'avez pas renvoyée? J'ai essayé. Mais elle plantait flèche après flèche dans chacune de mes cibles. Jamais je n'avais vu un tel talent auparavant. Elle avait dû suivre un entraînement. Sa posture était mauvaise. Elle n'aurait jamais pu combattre ainsi. Mais elle ne craignait pas de manquer sa cible. Et elle n'hésitait jamais. L'esprit du guerrier. Non. Du tueur. Mais quand je l'ai vu, il était trop tard. Plus vite, Sora!
Viens! Legion Harsinta, you wait. Peter Nixon. Amen. Sensei, tu connais le nom d'Ishikawa? Oui. J'ai un message. Parle. Sensei, tout le village d'Iyoshi implora la pitié. Tout comme les victimes d'Hironori Naga. Silence! Hironori Nagao. Il a été tué par des bandits, non? C'était il y a longtemps. Il avait la réputation d'un grand archer. Était-il votre élève? Non. Tomoe répand des mensonges. Mais il y a un fond de vérité. Elle veut nous faire douter l'un de l'autre. Seuls toi et moi pouvons préserver le village d'Iyoshi d'un véritable bain de sang. Nous combattrons ensemble. Nous élaborerons notre plan à mon dojo. Retrouve-moi là-bas et sois prêt à te battre.